Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale, car aujourd'hui, regardez ça dans la boutique, on a un nouveau pack Iris à 5€ les amis, c'est vraiment pas cher parce qu'avec tout ça, on a 600 V-Bucks et un skin bleu gratuit. Et en plus, clairement, je pense que c'est le meilleur starter pack qu'on ait eu jusqu'à présent, du coup, on va pas perdre de temps, on va acheter. Attention, c'est parti, nous voilà donc avec le skin, what the fuck, pourquoi il est penché les amis, je sais pas pourquoi, ok. Et en tout cas, 600 V-Bucks obtenir, on va se le procurer et on va aller faire une game. Cette vidéo les amis, je la fais pour toutes les personnes qui hésiterait à acheter le starter pack, c'est 5€. Et franchement, je le dirais tout le temps, les starter packs, c'est vraiment la chose à acheter absolument si vous souhaitez acheter des V-Bucks dans le jeu et pas trop dépenser des V-Bucks dans le jeu. Clairement, c'est la meilleure des façons car on a tout simplement beaucoup plus de V-Bucks. Et attends, là, on a. Est-ce que je vais avoir. Ouh, attends, j'ai une arme. Mais c'est juste qu'il y a un mec, je sais pas s'il a un pompe ou pas là. On va essayer de le tuer, cette galère là. J'ai pas fait un spawn incroyable. Oh, attends, je l'ai vu à la fenêtre. On va essayer de le tuer. Il va se ramener. Ah non, ça se fight. Il y a un pompe là-bas, j'aimerais bien aller chercher. Mais attends, il y a des gens. Ah mec, ça je n'accepte pas que tu me voles mon kill en fait. Oh, il m'a complètement volé mon kill. C'est déconné, j'avais fait tous les dégâts, ce n'est pas grave. Oh, attends, il a du C4, monsieur. Il a du C4. On va juste aller récupérer le pompe, histoire de sécuriser le kill. Et après, on sera bien. Il y a un coffre ici aussi, j'aimerais bien le récupérer. Attention, ok, les mini qui passent. On va tranquillement se boire ça, les amis. Et on est parti, du coup, pour un petit gameplay avec le nouveau starter pack. Et franchement, selon moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me faire partager votre avis. Mais je pense que c'est clairement le meilleur starter pack. J'ai l'impression à chaque fois qu'il nous sort un starter pack, c'est de mieux en mieux, vraiment. Attends, où est-ce que le petit kiki? Eh, les amis, je l'entends. J'ai trop peur. What? Il est où? Ah, il est derrière les ballots de paille. Oh non. Mais attends, mais... Eh, c'est quoi ce peureux, genre? Oh! Oh non, le pauvre. Le pauvre. Oh, ça se voyait, il galérait avec son clavier, lui. Mais bref, tranquillement, on a notre premier kill, même si je méritais d'avoir mon deuxième. Bref. On n'a pas fait un spawn très risqué, hein, les amis. On a été à Frenzy Farm. J'aime bien aller à Frenzy Farm quand je fais des vidéos. Je pense que ça peut se remarquer dans les récentes vidéos que je sors. Je spawn tout le temps à Frenzy Farm. Mais en tout cas, en général, ça se passe plutôt bien. Donc pourquoi pas. Voilà, je vais pas risquer d'aller à l'agence en sachant que l'agence, c'est le bordel. C'est le nouveau Team Tower. Hein, hors vidéo, moi, je vais presque jamais à Frenzy Farm. Mais en hors vidéo, je vais tout le temps à l'agence dans des spawns agressifs. L'agence ou Salty Spring, c'est mes deux spawns que j'assure complètement. Attention, j'entends des personnes juste ici en dessous de cette maison. Va-t-on les tuer? Je l'espère en tout cas. Et on va bien sûr essayer de faire un top 1 dans cette game. Ça serait bien sympathique, hein, pour cette première game avec ce nouveau Starter Pack Challenge. Attends, il est en train de monter là. Là, le monsieur, il est en train de remonter. Reviens ici. Oh, je le vois, le petit kiki. Oh, il a plus de vie. Oh, attends. Mais mec, attends, il a plus de vie. Attends, comment? Oh non. Oh non, maintenant il se régène avec son... Attends, on a la potion. J'ai merdé, là, je m'attendais pas qu'il me fonce dessus, tu sais. Tranquille. Ok, on sait que maintenant qu'il a 100 HP. Ah bah non, maintenant il a 0 HP parce que je l'ai tué, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie en visionnant cette vidéo. Voilà, d'ailleurs, tous ceux qui hésitaient franchement à acheter le starter pack, hein, je vous conseille de l'acheter. Si vous êtes quelqu'un qui n'ose pas trop mettre de V-Bucks dans le jeu parce que vous trouvez ça très très cher, franchement, le starter pack, c'est la meilleure des solutions. C'est la solution la moins chère parce qu'en plus de ça, en plus que t'es plus de V-Bucks pour 5€, eh ben t'as un skin gratuit. Donc pourquoi s'en priver? Bref. En tout cas, en plus des starter packs, ils en sortent tous les 4 mois. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, si vous souhaitez acheter ce nouveau starter pack, n'oubliez pas de mettre le code créateur JeanFils avant d'acheter ce skin. Les amis, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et gros big up à toutes les personnes qui contribuent à cela. Ça m'aide vraiment énormément financièrement pour mon futur. Et par exemple, ça me permet à moi de faire ce genre de vidéo où tout simplement, j'achète ce starter pack pour vous le faire découvrir. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Ça me ferait vraiment énormément
énormément plaisir. Vous savez bien que c'est tout le but. Clairement, ça fait plaisir. Hein. C'est la petite récompense pour Jean-Fils à chaque fois que je sors une vidéo. Le petit pouce bleu. Et abonne-toi à la chaîne de Jean-Papa si tu n'es pas encore abonné. C'est très important aussi. Bref, allez, on commence bien. Là, pour le moment, nous sommes pas morts. Ça fait plaisir. Je vais essayer de faire mon possible, les amis, pour cette game. Et c'est parti. D'ailleurs, ce skin, avant que ça soit un starter pack, il était censé être donné pour tout, exclusivement pour les personnes qui achetaient le nouveau smartphone Samsung. Et c'est très étonnant de le voir là en starter pack juste à 5€, parce que tout le monde s'attendait que ça soit un skin ultra rare, un peu comme le skin iconique, le skin Galaxy. Et pourtant non, 5€ pour ce skin incroyable, franchement ça fait plaisir. Moi personnellement, si je devais lui donner une note sur 20, je lui donnerais une note, non vas-y une note sur 10 puisque c'est plus facile, je vais lui donner une note de 7 sur 10, ce qui est plutôt potable, on va pas se mentir. J'aime bien les skins roses, les skins filles. Bon d'ailleurs, je pense que tout le monde sait que, et je pense que c'est unanime, que tout le monde préfère les skins de filles. Et là, un skin avec une tête rose. En plus, elle a un mini short comme ça. Bon, franchement, je trouve ça, ce skin sexy. Ben. Et en plus, la pioche est vraiment sympathique aussi dans le thème du skin. Bref, tout va très très bien avec ce skin. Donc voilà, pourquoi s'en priver, je ne sais pas du tout. Attends, on a une gros bleue là. Est-ce que j'échange ma gros bleue contre un kit? Ouais, si je suis en plein milieu de la zone, je peux me permettre de prendre le gros bleu et lâcher mes kits par terre, magnifique. Alors il y a un colis là-bas, tu vois. Oh, il s'est déposé sur l'arbre. C'est très risqué, c'est en plein milieu de la zone, mais franchement, là, j'ai une AR grise et c'est pas vraiment ce que j'apprécie comme AR. Du coup, je vais prendre le risque pour espérer avoir une arme un peu plus puissante que ça, parce que là, même au niveau des balles, regarde, au niveau des balles de SMG, je suis pauvre, on va pas se mentir. Bref, on s'y rapproche. Oh bordel. En plus, il faut que je fasse vite parce que la zone n'est pas du tout à mon avantage, là, clairement. Oh, on passe niveau 110, ça, c'est magnifique, les amis. Effectivement, j'ai acheté le pass de combat full en début de saison, c'est la première fois que je faisais ça. Mais c'est parce que, en fait, sur cette saison 2, en fait, il faut vraiment rusher le niveau 300. Le niveau 300, c'est là où on débloque la banane dorée. Et ça va être un skin ultra rare et j'espère le débloquer. Et du coup, le fait que j'ai acheté des trucs en plus, des paliers en plus, ça va me permettre d'être niveau 300 beaucoup plus rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'aime pas trop ce concept en vrai, que les paliers de passe de combat soient mélangés en même temps. Attends, il y a du stuff déposé par terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne sais pas. Non, je pense pas. On va aller dans la zone. J'aime pas trop le fait que les paliers de passe de combat soient mélangés avec les niveaux. C'était très bien avant et je trouve ça très dommage parce que ça donne un avantage justement à ce niveau. À ce niveau-là, what the fuck, le mec m'a mis un headshot du turfu, mon ami. Ça, c'était incroyable. Oh non. L'arbre qui m'avait coincé pendant un moment, tu sais. J'ai eu très très peur. Eh ouais, moi j'ai le nouveau skin, hein. J'ai le nouveau starter pack. Attends, il va m'avoir là, attends. Il veut vraiment m'attaquer, il veut vraiment me bullfighter, tu sais. Le mec il perd pas son temps. Ok, ok, ok. Bah, il faut pas que j'oublie que j'ai un rocket parce qu'à chaque fois que j'ai un rocket. Oh. Il a un pompe chasseur. Allez! Wow. J'ai fait caca là parce que j'ai raté mon edit. Au moins, il y a une belle petite balle là. Ok, on va descendre. On va descendre, on va descendre. Ouh, on va voir s'il n'y a pas moyen de casser les construits. Oh non, en plus, il y a un autre mec qui se ramène. Ok, c'est très pas la bonne posture hein, là, les amis. On va casser cet arbre parce que ça m'ennuie toujours les arbres comme ça. Ok, le truc c'est que j'ai entendu un mec aussi en dessous qui va attendre de ramasser miété. Et ça, je n'aime pas du tout. Mais au moins, on a de l'action. Et ça, c'est sympathique. Hein. C'est sympathique. Je sais qu'il y a un mec derrière la pierre, là. Je sais. Je suis sûr et certain. J'entends. Je t'entends, un petit quête. Oh, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, hein. Il est fou, lui. Bon, en plus, on n'est pas dans la zone. Et là, il y a tout le monde qui va arriver de ce sens-là. Et le problème, c'est que le mec, là, il veut pas se bouger. J'ai un pad. Je pourrais padder. Mais le problème, c'est que j'ai pad. Il va me rafaler. Mais genre, comme jamais. Donc. Oh là là là. Je vais essayer dans mi cul une seule balle, là. T'es sérieux, Jamy? Attends, roquette. Voilà, une petite deuxième balle, quand même, hein, parce que, attends... Ah. D'ailleurs, le mec qui était au-dessus de moi, je sais pas, il est parti en vacances, ou... Je sais pas. Attends, comment on fait, ça? Ah, j'ai pas beaucoup de balles d'air, hein. J'ai pas beaucoup de balles d'air. Ça craint un peu. En fait, j'aimerais bien l'attaquer, mais le problème, c'est que j'ai peur que le mec derrière moi, il va... Voilà, quoi.
Ouh, la petite balle qui doit pas faire plaisir. Et voilà, mon ami. Je suis désolé, t'as edit au mauvais moment. Attends, il y avait... Ah, il a la nouvelle SMG, je me disais, c'est quoi ce bruit? What? Ok, d'accord, le mec joue avec la nouvelle SMG. Elle fait très mal, mais ça devrait le faire. Oh! Wow. Oh, voilà, un autre mec qui se ramène. C'était évident que ça allait arriver. On n'est pas dans la zone, mais tranquille, j'ai un plaid. Allez, on prend pas de... Oh, en plus, la zone est ultra loin, donc il faut vraiment que je bouge. Oh, attends. Je me rappelle qu'il y avait une gros bleue. Ah non, non, là, attends. Ah non, des kits. Ah non, 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 je pensais que j'avais laissé une gros bleue sur le passage. Mais non, pas du tout. Le gros bleu, je l'avais laissé à la place du... Oh, merde. Oh. Non, mais c'est une blague. Non, mais attends. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Les amis, vous avez vu la chance que j'ai? Mais c'est incroyable, ça, par contre. Oh, en plus, je me suis fait tuer par ma jumelle. Le skin sur sac à dos est encore meilleur. Hein. Le skin sur sac à dos est encore meilleur. Bref, les amis, je vous aurais présenté ce nouveau starter pack. N'hésite pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour après, les amis, on se dit à la prochaine. Et tchuss.